tous et merci de nous rejoindre pour cette dernière quotidienne de la semaine dédiée aux communautés du Pacifique. Au programme de l'émission, toujours un invité exceptionnellement dans ses sports. Puis Anna nous parlera d'une maladie bien connue des Calédoniens, la goutte. Ça sera tout à l'heure dans On s'occupe de vous. Ensuite, Davina nous emmène en voyage. Elle nous présentera les différentes fêtes et expositions organisées dans le Pacifique. Et pour finir, Mara reviendra sur la fameuse histoire du naufragé qui a dérivé pendant plus d'un an dans le Pacifique. Elle nous parlera également des innovations dans le domaine de la santé. Ne ratez pas ça, c'est dans La Science et nous. Mais pour l'heure, rejoignons notre invité du jour. Je reçois aujourd'hui M. Jonas Taoufi-Fenoua, qui est donc coutumier et qui est aussi de ce fait conseiller technique de l'association du foyer wallisien et futunien. Bonjour M. Taoufi-Fenoua. Bonjour Chloé. Alors, pour commencer cet entretien, on peut faire un petit rappel historique concernant justement les premières vagues de migration de la communauté wallisienne et futunienne en Nouvelle-Calédonie. Quand est-ce que ça a commencé à peu près et pour quelles raisons est-ce que ces populations sont venues s'installer sur le territoire? Les premières migrations, ça a été à peu près dans les années 45, 45-47. Il y a eu pas mal de jeunes, là, wallisiens ou futuniens, qui se sont inscrits pour être recrutés dans l'armée. Donc ils sont arrivés vers ces années-là. Ensuite, il y a eu une immigration plutôt pour travailler dans les mines, vers les années 50, plutôt 53-55. Et après, pour travailler aussi sur le barrage de Yaté. Vers les années 59-60. D'accord. On peut dire d'ailleurs que votre père faisait partie en quelque sorte des premières vagues de migration, c'est-à-dire c'était beaucoup en fait d'engagés militaires et de matelots. Donc il était venu pour son service militaire, c'est bien oui, ça? Oui, tout à fait. Il a été recruté dans l'armée, là. Donc il est venu en 1947 pour faire le service militaire ici en Nouvelle-Calédonie, quoi. Et je sais qu'ils étaient une dizaine, il y en a qui sont tous partis là maintenant. Mais lui, il faisait partie de la première guerre, c'est le premier dans la famille, dans ma famille, qui est arrivé ici. Ensuite, il y a eu sa maman avec son grand frère qui est arrivé. Et par la suite, tous ses autres frères qui sont venus derrière lui. D'accord, donc ça c'était des premières vagues de migration qui n'étaient pas justement destinées à être des émigrations à long terme, c'est-à-dire voilà, Oui, pas du tout, c'était voilà, venir faire un service militaire et voir après s'il y avait quelque chose pour se fixer, mais voilà, il devait retourner au Fénois, quoi. Et votre papa n'est jamais reparti. N'est jamais parti, je crois, maintenant. D'accord. Alors, donc ça, c'était pour un petit peu le rappel historique. Comme je le disais au début de l'entretien, vous êtes donc le conseiller technique de l'association du foyer wallisien et futunien. Alors, cette association, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce qu'elle a été créée et pour quelles raisons? Cette association a été créée dans les années... en 1972. À l'origine, c'était le père Sagato Yaou qui était aumônier à Magenta. Là. Donc, avec l'appui de toute la chefferie, il y avait une chefferie qui était déjà existante sur le territoire, représentant la chefferie de Wallis ou de Futuna. Donc, avec les divers représentants de la chefferie, il a négocié avec certains grands chefs là, de voir au niveau de la mairie un endroit pour pouvoir se retrouver, faire des réunions de la communauté. Donc à ce moment-là, ils ont eu par l'intermédiaire de M. Roger Larocque, qui était maire en ce temps-là, le terrain de Magenta. Et grâce... il y a eu ce terrain qui a été donné par le maire à notre communauté, mais aussi à la communauté tahitienne. Oui, parce qu'il y a le foyer tahitien juste à côté. Voilà, tout à fait. Accolé au foyer de l'association du foyer wallisien, le foyer tahitien, qui existe encore aujourd'hui, les deux en même temps. Donc,
à diverses cérémonies, soit au foyer tahitien ou chez nous aussi à l'association du foyer wallisien, pour tout dire. D'accord, donc ça c'était en 1972. 1972. 1972. Et depuis, donc, l'association a évolué, elle s'est développée, elle a mené également des actions assez importantes. Mm-hmm. Alors quelles sont les principales actions qui ont été menées par cette association depuis ? Depuis ces années-là, il y a eu pas mal de, je sais qu'il y a eu pas mal d'actions qui ont été menées sur différentes formes. Pour au niveau déjà de notre communauté ici qui est installée ici, mm-hmm. ceux qui sont en difficulté, c'est que on est approché, bon, ça c'était auparavant, mais aussi on a un certain lien avec Wallis et Futuna. Mm-hmm. C'est pour ça qu'ici, les représentants des coutumiers, la grande chefferie, organisent aussi des cérémonies ou des kermesses pour venir en aide à nos populations qui sont fixées sur Wallis ou Futuna. Mais aussi, on le sait très bien, la communauté wallisienne futunienne est très pieuse. Donc, on assiste aussi au Fénois, Wallis ou à Futuna, la construction d'églises ou de chapelles. D'accord. Donc là, l'événement le plus important, mm-hmm. c'était l'année dernière, en 2014, avec l'église de Lautsikula. Mm-hmm. Et on a pas mal. Au district de Moua. À Wallis. District de Moua à Wallis. Donc c'était le père Amacio qui avait initié cette construction depuis le début, là, ça fait 3 ans. Et l'année dernière, c'était le grand événement parce qu'il y a eu la bénédiction et il y a plus de, je crois, 300 ou 400 personnes qui se sont déplacées pour cet événement. D'accord. Donc il y a eu un grand kava royal avec tous les habitants du territoire. D'accord. C'était en septembre 2014. Septembre 2014, l'inauguration de l'église, la bénédiction. Voilà. Alors, donc on l'a dit, vous venez de l'évoquer aussi, cette association a aussi un caractère social, donc venir aussi en aide en cas de coup dur, on peut le dire. Mm-hmm. Notamment, alors, en cas de catastrophe, période de cyclone, on peut en parler, c'est approprié. Oui. On se rappelle notamment en 2010 du cyclone Thomas qui avait mm-hmm. Touché, fait de gros dégâts à Futuna mm-hmm. en particulier. En 2012 également, le cyclone Evan aussi. Qui avait ravagé, c'était Wallis qui avait été majoritairement touché. Donc là, à ce moment-là, l'association se charge aussi de mobiliser la population wallisienne du pays mm-hmm. pour venir en aide à la population wallisienne de Wallis et Futuna, wallisienne et futunienne. Ouais, tout à fait. Quand il y a eu ces coups durs, 2010 ou 2012, on a eu, la chefferie a été appelée par l'État, mmh. par le commissariat, ouais. pour essayer de voir comment on pouvait gérer, venir en aide. Mmh. Et donc l'association du foyer, qui compose surtout la grande chefferie, mmh. donc on s'est mis en relation avec le haut commissaire de à cette époque-là, pour trouver les solutions qu'il fallait. Donc, ça a été décidé que le point de chute de tout ce qu'il y avait à donner ou à aider, point de vue surtout en alimentation ou en matériaux, mmh. c'était le foyer wallisien, c'est-à-dire D'accord. l'association du foyer wallisien qui faisait l'intermède au niveau du territoire ici D'accord. et Wallis et Futuna. D'accord. Donc ça fait qu'au niveau Thomas, on s'est mobilisé pendant plus d'une quinzaine de jours au foyer, là, avec la réception de tous les dons en matériaux ou en alimentation. Ça fait à peu près 5 ou 6 conteneurs qui sont partis. Mais je voulais aussi quand même remercier ici toutes les sociétés calédoniennes, les entreprises, même les syndicats, tous les syndicats oui. qui ont aidé. Oui. Toute la Nouvelle-Calédonie, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas uniquement les ressortissants wallisiens et futuniens, c'est toute la population calédonienne. Toute la population calédonienne qui a participé à ces différents aides qu'on avait demandées au niveau du foyer, de l'association du foyer. Donc ça, c'est le côté, le caractère social un petit peu de l'association. Mm-hmm. Il y a également, c'est aussi une association à caractère culturel, forcément, mm-hmm. hein, qui promeut donc, la culture wallisienne et futunienne. Qu'est-ce qui est fait en ce sens? En ce sens, on a au niveau du foyer un petit calendrier où, mm-hmm. Où tous les chefs de village ou les grands chefs de chaque district là, viennent voir s'ils peuvent prendre un jour, soit le jour, vous savez, comme, dans la religion, soit le jour du saint patron de tel mm-hmm. village. Donc chaque village ou chaque district.
fait son jour, c'est-à-dire qu'il prépare sa journée là, pour son saint patron, que ce soit Saint-Michel ou Saint-Joseph ou Saint-Paul. Donc, ils font la préparation là, 3 mois ou 6 mois à l'avance. Et le jour J, donc, là, c'est plusieurs dates dans l'année. Donc, il y a une préparation, une kermesse avec des danses. D'accord. Donc, ils font l'entraînement soit chez quelqu'un de particulier ou soit chez le chef de village. Et après, ils emmènent tout, toute la journée, au foyer wallisien. Et le jour J, là, c'est souvent un samedi ou un dimanche. Mmh. Ils le font. C'est la célébration. C'est la célébration du saint patron, là, que ce soit Saint-Michel ou Saint-Paul. Oui, il y a aussi d'autres cérémonies. Culturel, parce qu'on est beaucoup dans la religion. Il y a les mariages, les communions, les baptêmes. Donc, même les deuils coutumiers. Mm-hmm. Donc, souvent, dans ces cérémonies-là, il y a le cava royal qu'on célèbre, puis qu'on met en place lors de ces cérémonies. Donc, au foyer, il y a eu plusieurs cérémonies du cava par rapport à un mariage, à une communion ou un baptême. Donc c'est très important pour nous au niveau de notre culture de mettre en place, si on veut mettre en place le kava, mais obligatoirement derrière il faut que ça suive. Donc il y a les cochons, les ignames, les tarots, donc pour faire un kava royal, donc il faut qu'il y a tout ça qui suive derrière. D'accord. Donc c'est très important au niveau de la culture. D'accord, donc ça ce sont des cérémonies rituelles, cérémonies du kava, qui sont donc des cérémonies importantes dans la culture wallisienne et futounienne. Il y a également des grands rendez-vous, des événements importants. Quels sont les événements, les dates phares en fait, que vous allez célébrer cette année par exemple? Par exemple cette année, il y a le 28 avril, c'est la fête de Saint-Pierre Chanel. Donc, qui a été canonisé, le seul saint qui a été canonisé dans le Pacifique, donc c'était à Futuna. Donc, nous, la communauté futounienne, on l'organise ici sur le territoire cette année. Donc, j'ai eu l'info là, pas plus tard que la semaine dernière. Donc, tout le monde va le préparer parce que c'est un événement important pour les futouniens, mais aussi pour les wallisiens. D'accord. Donc là, ça réunit vraiment tout le pays. C'est commun à tous les villages, tous les districts. D'accord. Donc c'est important. Ensuite, on a aussi l'événement du statut 61, le 29 juillet. Donc là, cette année, ça va être le 54e anniversaire. Alors, qu'est-ce que c'est le statut de 1961 de Wallis et Futuna? Oui, le statut 61, donc, c'est un statut... Le statut de Tom, en fait. Voilà, des Tom, territoire d'outre-mer. Qui a été conféré à Wallis et Futuna. Donc c'est sous le roi Labelloa Kuli Moetoke. Donc qui comprend 3 entités très importantes, c'est ce statut. Donc l'administration représentée par le préfet pour l'État français. Ensuite il y a les coutumiers représentés par Labelloa. D'accord. Les trois Labelloa, parce que les deux de Futuna et celui de Wallis, d'accord, donc autorité coutumière. Ensuite, la religion par l'évêque, l'archevêque, là, qui lui aussi est intégré dans les statuts. Donc, c'est les 3 entités importantes du statut de 61. D'accord. Et donc, ça, c'est un événement important qui est célébré donc, le 29 juillet de cette année. Le 29 juillet. Qu'est-ce qui va donc être fait pour cette année, 29 juillet? Au niveau de la communauté, on en parle encore. On doit normalement se réunir au niveau de la chefferie. De l'association, donc du foyer, pour parler de cet événement, comment on pourrait mettre en place, pour célébrer le 29 juillet. Quoi. D'accord. D'accord, très bien. Donc c'est un foyer, vous le disiez, qui est aussi à disposition en fait d'autres communautés. Hein. C'est pas le foyer wallisien et futounien. Vous le mettez aussi à disposition d'autres communautés, de particuliers, de publics. Comment est-ce qu'on peut vous contacter à ce moment-là? Donc c'est vrai qu'au niveau du foyer wallisien, ça fait à peu près 3 ans là, avec le nouveau président, là, Monsieur Taupi Fenouan Paulo. On a ouvert à toutes les autres communautés. Bon, il y a eu l'accord de la chefferie. Donc toutes les autres communautés peuvent venir aussi prendre les dates, s'il y a quelque chose, s'il y a une cérémonie ou un bingo, ils peuvent l'organiser au foyer. Donc le président avait émis ce souhait à la chefferie. Donc la chefferie avait donné leur accord.
Parce que je sais que M. Taupi-Fénois avait voulu prendre en main le destin commun Oui, d'accord. de ce territoire. Donc c'est Donc symbolique. il a, oui, symbolique, quoi. Donc Une on volonté ne de peut plus, s'ouvrir on peut vraiment. plus dire communautaire au niveau de ce foyer. Donc lui, il a pris la décision de dire non, on ne peut pas rester en communauté comme ça. Il faut l'ouvrir à tous les autres parce que c'est mettre en pratique notre destin commun. C'est D'accord. ce qu'il voulait vraiment le faire. Et voilà, ça, on a ouvert depuis 3 ans à toutes les communautés du territoire. D'accord. D'accord, Voilà. très bien. Et donc justement, si on veut vous contacter, par quel moyen est-ce qu'on peut Ben, le il y a faire? un secrétariat qui est ouvert tous les matins, là, de 8h30 à 13h30, D'accord. Du et lundi au du vendredi. lundi au vendredi. Donc, le téléphone, c'est le 43-04-35. 43. 43-04-35. D'accord. Très bien. Mais Voilà. j'espère que nos téléspectateurs ont bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Taoufinois, d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci à vous aussi, Chloé, et merci aussi à NCTV pour ces petites invitations au niveau de l'association du foyer wallisien poutounien. C'est moi qui vous remercie. Merci. On passe à l'agenda du pays avec Davida. Salut Davina, alors où est-ce qu'on va pour ce dernier jour de la semaine? Salut Chloé et salut à tous. Aujourd'hui, on va direction Fidji pour le Holi Festival, donc qu'on peut interpréter comme étant la fête des couleurs. C'est pas vraiment un événement qui est propre à la culture fidjienne, c'est plutôt lié à une fête hindouiste, voilà, où ils mettent à l'honneur notamment le dieu Krishna. Donc D'accord. voilà. En fait, la particularité de cet événement, c'est que c'est l'unique fois où dans le monde hindouiste, toutes les différentes catégories, donc tous les différents castes, se mélangent et se rejoignent dans la rue pour se jeter de la peinture ou de la teinture de couleurs différentes. Et inutile de te dire que chaque couleur correspond bien sûr à une signification bien propre. D'accord, donc du coup, le vert par exemple, ça veut dire quoi? Alors le vert, c'est signe d'harmonie. Après, si tu as envie de me donner un peu de joie et d'amour, tu jetteras du Tiens, rouge. de la joie et de Le l'amour. orange, eh bien, ce sera signe d'opportunisme. Le bleu, signe de vitalité. Enfin voilà, c'était pour te citer un peu un exemple de Ça différentes doit être couleurs. sympa. Ouais, c'est pas mal. Il faudrait déjà le voir une fois. Oui. Et puis participer aussi, pourquoi pas. D'ailleurs, si vous êtes à Fidji pendant le Holi Festival, n'hésitez pas. Hein, c'est vraiment un événement qui a été créé pour, bien indépendamment de la fête hindouiste, pour partager justement cette tradition des D'accord. couleurs. D'accord. Alors, on va rester dans la joie et la bonne humeur et on va continuer notre agenda ici, dans le nord du C'est pays. ça, on va parler de la mission locale d'insertion des jeunes de la province nord qui informe les personnes ayant entre 18 et 25 ans que dans le cadre d'un recrutement au régiment du service militaire adapté, bien, il y aura des permanences qui seront tenues un peu partout par le RSMA de Koné. Donc la première se tiendra à la mairie de Wailou. La première réunion aura lieu le mardi 17 février 2015 de 9h à 11h30. Il y aura aussi une réunion donc le jeudi 19 février, mais cette fois-ci à la mairie de Ponérihouin de 9h à 11h30. D'accord. Un numéro de téléphone à donner aux téléspectateurs? Oui, alors celui de la mission locale d'insertion des jeunes, l'annexe de Wailou, le 42 58 20. D'accord. Et on continue avec les avis de coupure de courant. C'est ça. Donc ça concerne la commune de Poindimier. Alors les régions Sécale 1 et 2, subdivision, village, mairie, Coyabois, internat, hôpital et la vallée de Napoémien pour mardi 10 février de 8h à 14h pour l'entretien du réseau de tension. Il y en aura une aussi sur la commune de Païta, donc plus précisément sur les régions du Montmou, sur celle du lycée Anova pour le mardi 10 février alors de 8h30 à 15h30 pour l'entretien du réseau haute tension. Notez bien sûr que dans le cas où les travaux se termineraient avant l'heure que je viens d'annoncer, bien sûr le courant sera remis sans autre préavis. Ok, c'est noté. Et on finit avec un petit avis de concours. Oui, c'est ça. Donc un concours un peu spécial s'est organisé donc par Canifun sur le thème Mon maître et moi. Donc vous l'aurez compris, il faudra prendre
prendre une photo de vous et de votre compagnon. Et puis, ben, cette photo devra mettre en avant, bien sûr, votre complicité avec l'animal et inviter ceux qui la regardent à la rigolade, au délire, enfin voilà, à la joie. Un truc un peu fun, quoi. Voilà, un truc fun. Donc, pour participer, c'est très simple. Il suffit juste d'envoyer une photo, bien sûr, en qualité lisible, sur la page Facebook. Donc, il faut taper juste Canifun pour accéder à cette fameuse page. Vous avez aussi ben, l'occasion, si vous avez l'occasion, pardon, de l'envoyer par mail, bien, l'adresse, ce sera canifun.nc@gmail.com, accompagné bien sûr de votre adresse et de votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous prévenir si vous avez gagné éventuellement. Mmh. Voilà, le jeu est ouvert jusqu'au 22 février 2015 et puis ben, le résultat sera donné, lui, le 29 février. D'accord, et qu'est-ce qu'on gagne? Mais écoute, on gagne une adhésion d'un an pour le compagnon à quatre pattes, à Canifun, et puis voilà, ça a quand même une valeur assez importante, hein. Donc c'est pas négligeable comme premier lot. Voilà, donc bonne chance à tous. Merci Davina, on se retrouve tout à l'heure. Oui, merci Chloé, à tout à l'heure. Et nous, on passe à la chronique C'est Sport avec aujourd'hui un invité. Je reçois aujourd'hui M. Thierry Truquès, qui est donc le président du club d'athlétisme ASPTT. Vous êtes donc membre de la Fédération française d'athlétisme. Bonjour. Bonjour. Précisément la Ligue de Nouvelle-Calédonie. Oui, je suis membre. D'accord. Alors, on va commencer par représenter un petit peu le club ASPTT. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le club d'ASPTT, c'est une section de l'Omnisport d'ASPTT, donc la section athlétisme dont je préside. Mmh. Depuis maintenant un an et demi, puisque j'ai été renouvelé à la dernière AG, à l'Assemblée Générale. Et ça comprend 120 membres. On est aujourd'hui le club le plus gros de Calédonie en athlétisme. D'accord. Et avec une belle école d'athlétisme, puisqu'on a entre 50 et 60 jeunes. D'accord. Donc parmi ces jeunes, dans ce club-là, évoluent donc vos filles, qui s'appellent donc Corane et Luciendra, qui sont donc sœurs jumelles et qui sont des championnes d'athlétisme. Elles sont championnes d'athlétisme, oui. Alors dans quel domaine exactement? Alors elles font partie des... elles ont fini l'année, la saison 2014 par exemple, en tant que minime. Mm-hmm. Elles ont été classées dans les meilleures françaises, donc c'est national, hein, c'est oui. Un classement qui se fait à l'année. Et elles ont fini, voilà, une qui est première au marteau et une deuxième qui est troisième au poids et deuxième au disque. D'accord, donc ça c'est la saison 2014. 2014. Et donc pour cette nouvelle année, il y a des compétitions qui sont en préparation. Quels sont les objectifs de cette année? Alors, c'est exactement ça, on commence par les objectifs. Cette année, ça sera la première année du championnat de France. Maintenant, elles ne sont pas encore classées puisqu'on n'a pas commencé la saison. D'accord. La première compétition, c'est bientôt. Mm-hmm. Ça se fera un samedi, bientôt. Et donc, on aura un premier classement. De ce classement, sera déterminé si elles rentrent dans les 8 premières. Et à partir de là, elles pourront prétendre participer au championnat de France au mois de juillet à Albi, en France. Albi. Ah, oui. Voilà. D'accord, donc le championnat de France des jeunes, donc, où elles seront dans la compétition pardon, en tant que cadettes cette voilà, fois-ci. C'est ça. D'accord, donc la préparation physique a déjà commencé? Ça y est, c'est parti. On a commencé, on est parti déjà sur les routes, faire un petit peu le tour de Calédonie, avec comme objectif un petit peu la cohésion, parce que très souvent les athlètes en athlétisme, il y a des coureurs, il y a des sauteurs et des lanceurs. Mmh. Alors ils ne sont pas toujours ensemble, puisque les objectifs sont différents, les entraînements sont différents, alors les lieux aussi, puisque les lanceurs sont plus à Boulary et puis les sauteurs et les coureurs sont plus à Magenta. Mm-hmm. Et donc là, c'était l'idée, c'était de faire une cohésion et de pratiquer leur discipline ensemble et sur différents stades de Calédonie, dans le Grand Caillou, où on a fait Pointe-d'Imier, Koumac, Koné, Bouraï, voilà. Donc ça, c'était pendant une semaine? Pendant une semaine, pendant 6 jours, oui. Tout s'est bien passé? Bah, très bien, oui. On est parti sur de la belle pluie au départ, sur Pointe-d'Imier, où on a été très bien reçus. Et ça finit avec les moustiques et puis le soleil, voilà. D'accord. Voilà comment ça s'est passé. D'accord. Bon, bah, suite à ce stage, Jamie Waymo a donc suivi vos filles. Oui. Donc je vous propose qu'on regarde un petit peu le reportage de Jamie. Avec plaisir. Allez, c'est parti. –
Bonjour, je m'appelle Corinne Truquès, j'ai 15 ans et je fais du lancer de marteau. Bonjour, je m'appelle Lucien Bra Truquès et je fais du lancer de poids et de disque. Bonjour, nous sommes les sœurs Truquès et nous sommes jumelles. Moi, ça fait depuis 5 ans, cette année, que je fais de l'athlétisme, plus précisément le lancer. Je fais le poids et le disque. Et ma sœur, elle fait... Moi, je fais que du marteau. Je fais depuis 4 ans. Oui, 3-4 ans. Bon, c'était un long chemin. J'ai commencé d'abord par le rugby, dû à une fracture de la clavicule. J'ai dû arrêter. Donc, on cherchait beaucoup de sport avec mon père. Et puis, il m'a ramené dans l'athlétisme parce qu'avant, je faisais de l'athlétisme. Mais plutôt vers l'école, petite enfance, tout ça. Ça fait... je suis rentrée dedans parce que mon père y était déjà. Ça, à l'âge à peu près 9 ans, vers là. Moi, je préférais le poids, je sais pas, parce que je suis un peu brute, donc j'aime bien. Voilà. J'ai commencé il y a 5 ans. Et voilà, j'ai commencé avec des petites compétitions. Et dans l'année, on a une grande compétition. Qui est la Coupe des lancers, qui regroupe... chaque athlète doit lancer tous les engins. Pour après, arriver à la fin, il y a des regroupements de points au niveau de la performance et puis il y a un classement. Donc j'ai participé à cette compétition et ça, c'est tous les ans. Après, j'ai eu un stage en Nouvelle-Zélande en 2013 pour nous perfectionner dans notre discipline. Suivi de fin 2013 d'un match à Tahiti. Là, ça concernait tous les minimes, donc j'ai pu participer à cette grande compétition. L'année dernière, il y a eu encore Tahiti, mais sauf là que c'était sur le territoire. Donc ils sont venus, on les a accueillis et il y avait aussi une délégation wallisienne. En fait, c'était plutôt une compétition d'équipe. On était en équipe de 5-7 par notre catégorie. Et puis, voilà, ça, c'était pas individuel. Être athlète ici, c'est un petit peu difficile. Je parle pour le lancer parce qu'on n'a pas trop d'entraîneurs. Pour l'instant, il n'y a que Erwan Cassier qui nous entraîne, mais sinon, on est obligé de faire par nos propres moyens, donc s'entraîner nous-mêmes. Non, qu'il n'y ait pas d'entraîneur, ça nous concerne tous, là, nous, les lanceurs, parce que nous, on peut se débrouiller au niveau muscu, voilà, tout ça, mais au niveau technique, on a vraiment besoin d'un coach. Oui, on s'apporte des conseils, mais pas vraiment... Enfin, moi, je ne connais pas trop exactement comment on lance les petits détails qui font beaucoup de choses. Donc, je dis ce que je vois et puis voilà. D'un côté, il faut du monde parce que à force de rester entre nous, on n'a pas cet esprit compétition. C'est plutôt entraînement parce qu'on se connaît. Donc, faire des compétitions à l'extérieur, c'est aussi un moyen pour faire des perfs, mais ça serait bien qu'il y ait d'autres jeunes qui viennent découvrir le lancer. Pendant les compétitions, on n'a pas beaucoup de participants, on ne fait que des compétitions entre nous. Donc, il n'y a pas trop d'enjeux. Ouais. Donc, c'est pour ça, des fois... Après, c'est chacun voit comme il... comme il veut, mais moi j'ai besoin du monde pour faire des terres. Oui, on a encore une période difficile en ce moment. On vient d'avoir notre présidente de la Ligue qui vient de décéder, donc tout chamboule. Heureusement qu'on est repris par la FFA en France, donc maintenant c'est bon. Pendant une année, on peut se remettre, mettre le bureau en place et puis repartir, mais bon. Ça va être difficile. Oui, on garde le rythme, mais il y a des périodes, c'est sûr qu'on est en charge lourde au niveau de la muscu et tout, donc on ne peut pas forcément faire des perfs. Donc voilà. Déjà, on a à peu près 2 par mois. Toujours, allez, en gros 2 tous les 1 mois et demi. À peu près 2 compétitions.
Objectif de cette année, championnat de France. Déjà une qualification pour pouvoir y aller, être dans les 8 premières françaises. Donc il va falloir bosser. Les qualifications, il y a une certaine date où à ne pas dépasser, après c'est fini. J'ai à peu près un mois et demi avant les championnats pour me qualifier. Donc à chaque compétition, on va essayer de tout faire, au moins pour être dans les 8 premières, que ce soit au point ou au disque. Là, on a les championnats de France, comme disait ma sœur, donc on va bosser à fond. Voilà, donc un sujet de Jamie Waymo. Alors pour en revenir un petit peu sur ce que disaient Luciendra et Coran dans le sujet, où en est la situation actuelle du club et en général de l'athlétisme dans le lancer? C'est-à-dire aujourd'hui, il y a peu ou pas d'entraîneurs, pourquoi? C'est vrai qu'il n'y a pas d'entraîneurs, alors pourquoi? Peut-être parce qu'il y a des anciens qui ne veulent pas refaire cette activité. Et après, c'est du bénévolat, quoi. Donc ça appartient à chacun, il faut faire ça avec la passion. Je ne sais pas, et puis c'est petit ici aussi. Donc je ne pourrais pas trop dire, manque de personnes surtout. D'accord, donc de ce fait, elle s'entraîne toute seule, elle s'entraide aussi? Alors elle s'entraîne, heureusement qu'on a eu un CTR qui était avant, qui ont fait passer certains diplômes, comme Coran. Un CTR, on rappelle ce que c'est? Alors CTR, c'est un conseiller technique. Mmh. Donc celui-ci, il était de la zone du Pacifique, puisqu'il faisait Tahiti en même temps. D'accord. Et qui a la possibilité de faire passer certains diplômes. Mmh. Donc Coran a passé même son deuxième degré. Alors c'est vrai qu'elle doit pas l'exercer tant qu'elle n'est pas majeure, mais ils ont de bonnes bases déjà et ils peuvent s'entraîner entre eux, malheureusement, c'est à dire comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois entraîneurs et athlètes. Oui. Et à l'âge de 15 ans ou 16 ans bientôt, c'est exceptionnel. Quoi. Oui, donc il faut avoir une certaine rigueur aussi qu'on n'a pas forcément. C'est exactement ça, c'est très très difficile aussi. Et elle a des aptitudes tout à fait... exceptionnel. Ouais, ouais. D'accord. Alors vous êtes donc président du club, mais vous êtes aussi leur papa. Comment vous arrivez à allier les deux? Est-ce que c'est facile ou pas? Non, il n'y a rien de facile. Déjà moi, parce que je suis spécialiste de sprint haie. Déjà mes entraînements, j'ai 33 athlètes, donc j'ai 12 heures d'entraînement par semaine. Et c'est plus maman qui s'occupe des filles et qui les emmène au stade de Gallienné, qui est à Boulary, d'accord, où c'est le stade des lanceurs, c'est là où il y a le pôle espoir. Mm-hmm. Donc voilà, c'est maman qui s'occupe plus. Donc on se croise. Par contre, il y a toujours, on parle beaucoup de sport. Donc il y a toujours des échanges et je sais ce qu'elles font et elles savent ce que je fais, toujours, oui, bien sûr. D'accord. Alors justement, est-ce que vous avez l'intention de les envoyer en métropole, par exemple, pour un pôle espoir? Quels sont vos projets Les projets vont être progressifs, c'est-à-dire que cette année, ça va être leur première expérience au championnat de France, mm-hmm, au mois de juillet. Après, donc, elles sont cadettes de première année, donc la cadette deuxième année, je pense que ce sera un tournant, elles seront déjà en terminale, en bac, ça permettra déjà de voir où c'est qu'on va aller. Maintenant, je sais qu'elles feront des études, comme beaucoup de jeunes sur le territoire, on part en France. Oui. Donc il y a matière en France, donc même il y a l'INSEP qui est à Paris, et voir d'autres clubs qui sont dans beaucoup de grandes villes. D'accord. Voilà, donc, petit à petit, je ne serai pas quoi, est-ce qu'elles vont continuer ou pas continuer, ça sera suivant les études bien sûr. D'accord, donc objectif bac d'abord et ensuite… Oui voilà, après je pense que c'est la vie professionnelle qui est importante au départ, comme je disais tout à l'heure, avec la passion. Donc, on peut faire plein de choses aussi par derrière. D'accord. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation à vous et à vos filles. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, Chloé. Bonjour, Anna. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Bonjour, Chloé. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une maladie. Autrefois, cette maladie, on l'appelait la maladie des rois ou la maladie des riches. Pourquoi? Eh bien, parce que... eux seuls avaient le moyen donc, de se permettre des repas bien arrosés, oui, on va dire. Donc, c'est cette maladie, c'était tout simplement la goutte, quoi. C'était provoqué par tous ces bons repas
Donc c'est une maladie qui est articulaire, qui est provoquée donc par un accès d'acide urique dans le sang. On appelle ça un état d'hyperuricémie. Donc, dans le jargon médical, nous, on va se contenter de l'appeler la goutte. La goutte. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà ce que c'est que l'acide urique et puis comment l'acide urique peut se retrouver dans notre corps? Alors, l'acide urique, Chloé, c'est une forme de déchet qui est normalement éliminé par l'organisme. Alors, ce sont les reins, donc, qui font le travail. D'accord. Lorsque c'est en quantité, on va dire, normale, mm-hmm. donc, c'est évacué, excrété par les reins, tout simplement. D'accord. Quand on a une alimentation trop riche. Donc notamment, surtout, c'est présent dans les abats, tout ce qui est abats, alors le riz de veau, les rognons, le foie, la cervelle, etc., les tripes aussi. Mm-hmm. Et puis aussi, quand on mange beaucoup de gibier, mm-hmm. donc c'est le cas ici, il y a aussi les mayonnaises, donc tout ce qui est mayonnaise et corps gras, comme les fritures en particulier. Donc en général, c'est éliminé dans les urines, tout ça, mais quand c'est trop important, comme je disais tout à l'heure, eh bien, là, on parle de goutte. Alors, quels sont les facteurs liés à la goutte? Alors, les facteurs, en fait, il y en a plusieurs. Hein. Le premier, bon, ce sont des anomalies génétiques. Ça peut être des antécédents familiaux, mais bon, c'est assez rare hein, que ce soit héréditaire, la goutte. D'accord. Ensuite, il y a la consommation d'aliments trop riches, comme je disais tout à l'heure, donc, qui sont riches en forte, qui ont une forte teneur en purines. Les purines, ce sont justement les éléments qui constituent l'acide urique. D'accord. Alors là, on trouve donc dans tout ce qui est viande rouge mmh. et aussi certains fruits de mer. Il y a aussi l'alcool, oui. donc qui favorise. Et puis il y a le fructose, donc qui est présent dans beaucoup de boissons, on va dire certaines boissons rafraîchissantes. Voilà. D'accord. Ensuite, il y a aussi l'obésité qui joue. Mmh. Il y a l'hypertension. Il y a aussi le diabète. Tout ça, ça peut être lié aussi à la goutte. Et puis quelque chose qui nous concerne plus nous les femmes, on va dire. Donc mesdames, écoutez bien. L'œstrogène. Donc l'œstrogène, c'est une hormone donc, qui est naturellement présente dans le corps humain. Donc, eh bien, cet œstrogène, oui, de la femme. Mm-hmm. Donc cet œstrogène, eh bien, Chloé, il réduit le taux d'acide urique, donc le risque de goutte chez les femmes qui sont non ménopausées. Par contre, après la ménopause, eh bien, nous sommes soumises au même risque que les hommes, donc au risque d'avoir la goutte. D'accord. Donc Anna, concernant le dernier facteur, tu nous dis qu'après donc, la ménopause, les femmes atteignent donc un niveau semblable aux hommes. Donc ça suppose que les hommes sont plus touchés que les femmes par la goutte. Oui, Chloé, c'est tout à fait. Donc dans 90% des cas, eh bien, cette maladie elle touche les hommes et ça va de 35 à 50 ans. Par contre, chez les femmes, donc après la ménopause, parfois, on peut aussi l'attraper, la goutte, mmh. et même parfois au cours de la grossesse. D'accord. Mais bon, pour en savoir plus, on va écouter un professionnel qui va tout nous dire. Je te propose de regarder donc le reportage de Duke Menango. Alors si j'ai bien compris, vous venez me voir avec ce problème de kilos en trop, mais vous, ce qui vous gêne le plus, c'est d'abord et avant tout ces crises de goutte, ces douleurs du pied très, très invalidantes. Ouais. Ça m'embête beaucoup, ça me réveille au milieu de la nuit et j'aimerais avoir des informations, savoir qu'est-ce que je peux faire pour diminuer ou complètement faire disparaître la maladie, si possible. Bien sûr, donc c'est une maladie avec deux composantes, c'est une maladie chronique et qui se réveille de temps en temps avec des crises aiguës et douloureuses et qui en font toute... Une fois qu'on a contracté la maladie, c'est une maladie chronique, elle est installée, hein, on a cet excès d'acide urique dans le sang, pour éviter la cristallisation de ces cristaux d'acide urique et la crise de goutte, eh bien, il va falloir limiter les excès, donc bouger quotidiennement et avoir une hygiène alimentaire aussi bonne que possible en évitant les excès, notamment en alcool, en viande et crustacés et tout ce qui contient du fructose, donc les plats cuisinés et les sodas. Un jour, j'ai eu vraiment mal au pied, très très mal au pied, au pouce. Donc je suis rentré en urgence carrément à l'hôpital, mais vraiment en catastrophe, quoi. Donc là, on a commencé à me dire, bon, ben, vous êtes goutteux, on va vous faire une piqûre, puisque vous êtes déjà pas mal dans la douleur. On m'a fait une piqûre d'un médicament, piqué, et je suis ressorti. C'est vrai que la douleur, 5 minutes après, j'avais plus de douleur, donc j'ai continué à travailler dans la même journée, à marcher un peu partout. Et ça s'est répété.
15 jours après. Donc, retourner à l'hôpital. Et bon, c'est la goutte, donc on te repique. Mais avec quand même la méfiance des médecins, puisqu'à force de faire des piqûres, ils se sont dit, ben, on va arrêter de te piquer, puisque c'est nous qui risquons un jour de te faire vraiment mal, parce que ça va finir par te taper sur le cœur. Donc, on va quand même faire des prises de sang. Donc, on mange, et puis il y a une accumulation dans le sang d'acide urique. Cet acide urique, il peut cristalliser dans le sang et se déposer en différents endroits, notamment au niveau d'une articulation, et entraîner une crise aiguë, douloureuse, la crise de goutte. Dans le courant de l'année, les douleurs, elles étaient de plus en plus fréquentes et plus en plus rapprochées et de plus en plus douloureuses. Donc, il est arrivé le moment où ben, je suis rentré encore en urgence pour vous dire un peu la gravité de la chose. Je suis rentré dans la même journée, je suis rentré deux fois de suite en urgence. À savoir que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un monsieur qui va pleurer pour une petite douleur. Je hurlais de douleur comme si on voulait me casser carrément la jambe. C'est une maladie très invalidante, on ne peut pas aller travailler, on ne peut pas sortir de chez soi. Ça dure quelques jours, ça va guérir spontanément en 15 jours, si on ne fait rien. Donc pendant 15 jours, on est alité. Et puis ça va revenir au bout d'un mois, et puis de plus en plus souvent, si on ne fait rien. Je suis resté deux mois couché dans un lit à ne plus pouvoir bouger. À ne plus pouvoir bouger, à savoir à ne plus pouvoir plier les jambes, à ne plus pouvoir me relever, à ne plus pouvoir supporter les vibrations dans la maison, à ne même plus pouvoir penser bouger la jambe ou avoir peur de dormir, de savoir que la nuit on peut rêver, on peut bouger. Tellement la douleur était violente, violente, violente. Ben c'est la goutte, une très très grosse crise de goutte qui a duré deux mois. Donc la goutte, elle a une double origine. Il faut à la fois une fragilité génétique, hein, c'est une maladie souvent familiale, héréditaire, qui touche plus les hommes que les femmes et qui touche plus les sujets âgés que les jeunes. Donc plus on avance en âge et plus on va présenter de la goutte. Donc une fragilité familiale, génétique, et puis de l'environnement. L'environnement, c'est le surpoids, c'est une maladie de surcharge liée au kilo en trop, donc bah, les excès alimentaires et la sédentarité qui font le lit de la maladie. Et donc il ne s'agit pas de vous remettre au sport, mais simplement de bouger un peu plus, et tous les petits moyens sont bons, marcher un peu plus souvent plutôt que de prendre la voiture, vous stationner un peu plus loin, faire les courses à pied. Et donc en ayant une alimentation équilibrée et une activité physique quotidienne, on ne fera pas de crise de goutte. Alors déjà adapter son régime alimentaire, on va dire, c'est faire attention aux excès, notamment en alcool, la bière tout particulièrement, mais aussi le vin rouge, faire attention aux excès en soda, en fructose, mais aussi en tout ce qui est viande rouge et crustacés, fruits de mer. Donc tout ça, ça va procéder à l'accumulation d'acide urique dans le sang et à des crises de goutte. Je me suis mis à faire des expériences pour savoir quel aliment et quel alcool peut donner la goutte. Donc je buvais beaucoup de bière. Donc il m'est arrivé de prendre une bière, de la boire et d'attraper la goutte dans les 5 minutes qui suivaient. Donc je me suis dit que la bière, c'est vraiment pas bon, pas bon, pas bon pour la goutte. Parce que j'ai aussi fait l'expérience, on m'a dit il faut manger du poisson. Donc je me suis un jour amusé à manger du thon. Et on m'a dit si tu le fais cuire, comme tu as la goutte, mi-cuit, mi-cru. J'ai mangé une tranche, je suis rentré aux urgences. Et on m'a dit ce poisson-là, il n'est pas pour toi, puisque ce poisson-là, tous les poissons pélagiques en fin de compte, contiennent du mercure. Et en taux d'acide urique, c'est les poissons les plus violents pour les goutteux. Alors on peut manger le poisson du bord, le poisson qu'on a dans le lagon, mais on ne peut pas le manger en friture parce que le gras sollicite la goutte. Donc on mange bouilli. Alors quand vous êtes bon vivant comme moi, bon mangeur comme moi, et puis quand vous met un bon dawa ou un bon picot, on a du mal, croyez-moi, on a du mal à manger un picot bouilli. Éventuellement, ça peut venir toucher le poignet ou la main, c'est un peu plus rare. Ça peut toucher la peau, il va y avoir des dépôts au niveau des articulations sous la peau, ça forme des tophies, truc assez monstrueux. Et puis surtout, ça peut entraîner au niveau des reins, quand ça s'accumule, soit des coliques néphrétiques, hein, des calculs rénaux, soit ça va abîmer le rein et conduire à l'insuffisance rénale et à la dialyse. Et le pire, c'est que c'est une maladie qui... Ben, on est handicapé, carrément handicapé. Mais on handicape aussi la maison, puisque la personne qui vit avec le malade, les enfants et tout ça, ben, tout le monde est handicapé parce que ben, il faut faire un régime, il faut faire attention, il faut l'amener à la douche,
Il faut l'amener aux toilettes, il faut s'occuper de lui comme un bébé, quoi. Donc voilà, je dis un peu tout ça, c'est pour qu'on puisse prendre conscience que la goutte, comme moi je l'ai pris au début, moi j'ai pris ça à la rigolade, quoi. Je me suis dit, oh, la goutte, c'est une maladie comme une autre, comme une grippe, et puis ça va passer. Là, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de remède miracle qui peut nous dire là demain ou là aujourd'hui en disant, ben voilà, tu prends ça et la goutte, c'est fini. C'est une maladie qui avait presque disparu au siècle dernier. Et puis, depuis une quarantaine d'années, un peu partout dans le monde, elle est en forte augmentation, notamment en Nouvelle-Calédonie, parce que ce qui fait le lit de la maladie, c'est le surpoids et l'obésité. Et vous savez que la Calédonie est fortement touchée par le surpoids et l'obésité, puisque plus de 55% de la population adulte a des kilos en trop. Voilà, alors Anna, est-ce qu'il existe plusieurs types de gouttes ? Oui, tu fais bien de poser la question. Alors, petit rappel, il y a deux types de gouttes. Donc, il y a la goutte aiguë et la goutte chronique. Donc pour la goutte aiguë, donc ça touche en général souvent les articulations. Mm-hmm. En particulier, ça peut se focaliser sur un orteil, surtout des pieds. Okay. Ou alors, ça peut aussi aller sur plusieurs articulations. Donc là, pareil, on rappelle ce qui déclenche toujours la consommation trop riche en aliments, qui favorise donc l'acide urique. Mm-hmm. Ensuite, l'alcool, encore une fois, je le répète. Mais il y a aussi la prise de certains médicaments qui peuvent entrer en jeu. Et puis, c'est des fois déclenché aussi après une intervention chirurgicale ou même un traumatisme. Donc, je ne sais pas, on se fait tomber quelque chose sur le pied, par exemple. Voilà. Ça peut aussi déclencher. Et puis, un signe, hein, ce sont justement les parties touchées sont enflées, sont rouges et puis sont ultra sensibles au toucher. Donc là, ça peut alerter, hein. Ensuite, pour la goutte chronique, eh bien, dans certains cas, quand il n'y a pas de traitement, eh bien, les crises, au lieu de passer très vite, donc elles se prolongent. Mm-hmm. Donc là, ça devient vraiment la goutte chronique. D'accord. Donc voilà un peu pour les signes, Chloé. D'accord. Il existe heureusement un traitement pour cette maladie. Heureusement. Donc le médecin peut prescrire donc un traitement médicamenteux, puis aussi d'autres soins. Mm-hmm. Donc parmi les traitements, le premier c'est le repos. Donc si vous avez la goutte, la première chose, il faut se reposer. Et puis on peut aussi appliquer de la glace, donc ça peut soulager un peu la douleur. Puis après, bon, il y a les traitements anti-inflammatoires, etc. Ensuite, le traitement, eh bien, il se fait en deux volets. Hein. La première chose, c'est de justement soulager la douleur, parce que c'est très 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 douloureux. Mm-hmm. Donc première chose, on soulage la douleur et puis après on essaye de faire diminuer donc le taux d'acide urique. Voilà un peu comment ça se traite la goutte. D'accord, très bien. Merci Anna pour toutes ces précisions. On te retrouve donc prochainement pour une nouvelle rubrique. Oui Chloé, puis je te dis bon week-end et à vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup et nous on rejoint Davina pour demander le programme. Davina est de retour. Alors, de quoi on parle aujourd'hui ? Aujourd'hui, on s'intéresse à la sculpture et à l'art, parce que tu le sais, en ce moment, sur l'île aux Canards, tu peux voir différentes œuvres d'art qui sont exposées. Voilà. Ça résulte du travail quand même de 25 artistes issus du territoire du Pacifique, et même de plus loin, d'après ce que j'ai cru comprendre. De plus loin, c'est-à-dire ? De plus loin, c'est-à-dire du Costa Rica, hein, parce qu'il y a notre ami donc, Jaime Humana qui est là et qui est venu spécialement pour... ce festival. Il a aussi, je rappelle, travaillé sur un autre projet avec notamment Myriam Schwab sur Une bouteille à la mer. Oui, je m'en souviens, on en avait parlé. D'ailleurs, il travaille donc avec Myriam Schwab. Hein, donc le but de ce projet, c'était de passer des messages en fait, à travers le monde via en fait, des sculptures qui sont faites à partir de bouteilles en plastique. Oui, c'est ça, très bonne mémoire. Et puis voilà, il nous vient aussi il est venu exprès pour aussi la 4e édition du festival qui a lieu toujours à la même période, c'est toujours de décembre à février, profiter du beau temps pour pouvoir aller à l'île aux Canards. La chaleur. Voilà, c'est un lieu propice pour le développement artistique aussi et puis pour aider les gens à venir se promener, à découvrir, pour aider en fait les gens à s'intéresser tout simplement à l'art, à la sculpture. Oui. Donc à la base, c'est parti d'échanges entre différents artistes du territoire et puis après entre les différentes provinces bien sûr. Il a fallu promouvoir tout ça et trouver un site, enfin voilà. Mmh. Et puis, résultat, 4e édition avec toujours autant d'œuvres d'art à contempler, autant d'artistes à rencontrer, enfin voilà.
un événement assez particulier tous les ans ici. Alors dis-nous, Davina, qui c'est qui organise tout ça? Parce qu'il doit y avoir quand même un gros travail en amont. Oui, un gros travail qui a été fait donc, par l'association Artefaré et puis le staff, on va dire, de l'île aux Canards, qui ont choisi d'ailleurs l'île aux Canards parce qu'il y a quand même plus de 35 000 visiteurs par mois. Le but, c'était de toucher le plus grand nombre de spectateurs. Alors voilà, le spot était tout trouvé, direction l'île aux Canards, pour poser donc, toutes ces sculptures et inviter les sculpteurs à venir rencontrer les gens. D'accord. Alors, quels sont les matériaux utilisés pour ces sculptures? Alors, je sais qu'il y a eu notamment parmi les matériaux utilisés le bois, le plastique et aussi de la ferraille. Enfin, d'une manière générale, tout ce qu'ils ont pu récupérer et travailler. Donc, c'est aussi dans l'initiative de se dire on va recycler plutôt que de jeter toujours. Donc, belle initiative. Il faut savoir aussi, pour ceux qui iraient sur l'île aux Canards, qu'il y a un espace pour s'initier à la sculpture avec les différents artistes qui seront là. Donc pourquoi pas, peut-être qu'il y aura des petits talents cachés qui vont se découvrir là, pourquoi pas. Oui, mais c'est sympa d'organiser des ateliers. Moi, je sais que, je ne sais pas toi, mais moi, je vais y aller pour commencer déjà à m'intéresser à ça. Et ensuite, qu'est-ce que je pouvais te dire sur l'île aux Canards? C'est quand même le seul îlot qui regroupe autant d'œuvres d'art en un seul lieu. Le seul îlot. Oui, c'est l'îlot Pacifique, tu veux dire? Le seul îlot du Pacifique, tout à fait. Voilà. Et on peut dire aussi que c'est, on va dire, une grande galerie d'art à ciel ouvert. Donc, c'est vraiment un site à découvrir. D'ailleurs, je vous propose de regarder ce petit reportage d'Alexandre Sigura. Burning papers into ashes. What a season. How they fly. From the ground up, there is yet another fountain flowing over as the night falls. Keep dreaming. Nous sommes à l'île aux Canards pour la 4e édition du Festival de sculpture en plein air. Nous allons vous présenter un petit peu les artistes, ce qu'ils font, les nouveautés sur ce lieu qui est dédié à l'art et à la culture. Donc c'est la 4e édition, ça a été mis en place avec une continuité de travail qui avait été menée avec Thierry Rossignol, qui est le gestionnaire de l'île aux Canards, qui a une passion pour l'art. Donc de là est venue l'idée de créer quelque chose dans un lieu effectivement original et surtout un lieu qui accueille beaucoup de public durant le festival et la saison. Donc la grande nouveauté cette année, c'est la mise en espace des œuvres sur la plage, c'est-à-dire que là pour le coup vraiment, il n'y a plus de confusion entre la collection permanente qui regroupe quand même une centaine d'œuvres et les œuvres présentées maintenant sur l'îlot qui se différencient vraiment du reste, qui leur donne une profondeur sur la mer, etc. Donc l'île aux Canards, c'est pendant la période du festival plus de 150 sculptures avec à peu près 120 sculptures permanentes qui représentent tous les principaux artistes de la Calédonie, mais également des artistes de la zone pacifique. Pour le festival, là, on a 25 artistes et 28 sculptures qui sont sur cette zone et du coup le public a de quoi faire et admirer. L'île aux Canards est la seule île dans le Pacifique qui peut accueillir entre 30 et 40 000 personnes sur un été. Donc c'est pour ça que vraiment tous les touristes ont une chance extraordinaire de découvrir des œuvres monumentales et ainsi de faire participer aussi tous les artistes de la Calédonie. Donc Artefaré met vraiment en exergue, a vraiment envie chaque année de faire venir tous les artistes de la Calédonie et notamment les artistes sculpteurs du Nord, des îles Loyauté. Donc vraiment, ils sont les bienvenus. Nous avons cette année 5 à 6 artistes du Nord et des îles, et une personne du Vanuatu. Voilà, donc c'est une invitation pour les années futures, à ce qu'il y ait encore plus, au moins une dizaine, voire une vingtaine, enfin en tout cas une dizaine d'artistes du Nord et des îles Loyauté. Je viens de Costa Rica,
Mon nom c'est Jaime. Et puis c'est voilà, Costa Rica c'est un autre paradis comme la Nouvelle-Calédonie. Et autant qu'habitants de cette planète, on était concernés de présenter un projet pour le festival de l'Île aux Canards. C'est un projet interactif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les sculptures que vous voyez là, sinon qu'il y a, il y a toute une démarche qu'on a fait à travers des écoles. Et on a même une page sur Facebook qui s'appelle « Une bouteille à la mer », où on a réussi à recueillir des messages de toutes sortes de personnes dans toutes les langues diverses, et voilà quoi. Donc c'est le concept de le message à la mer. C'est à cette mer qui nous appartient, dans cette planète sur laquelle on habite. En gros, il y a environ 1000 bouteilles. Chaque bouteille que vous voyez là, elle contient un message. Et à la fin, les bouchons, on a réalisé un bouchon, c'est fait en papier mâché aussi, parce que ça doit être léger, c'est une sculpture flottante. À la fin, vous avez les cagous, que ça représente la Nouvelle-Calédonie. Et c'est de là où on envoie ce message. Voilà, ça c'est ma sculpture, le gardien des côtes. Donc c'est une œuvre qui a été réalisée dans divers matériaux, résine, bois, métal. Et disons que je suis très content de la revoir deux mois après son installation parce qu'elle a subi les affres du climat. Donc avec l'air salin, les parties métalliques ont rouillé, il y a eu des coulures de rouille. Et même si j'avais fait une texture au départ, qui donnait cette illusion de pièces vieillies, là la nature a fait le reste et je trouve que c'est assez sympa. Donc ce qui aurait pu être un problème au départ, je trouve que ça devient un avantage. Comme ça, ouais, pas mal hein, aussi. C'est une sculpture qui fait référence au gardien, revisité avec des produits industriels et du bois, très naturel, du bois flotté que j'ai ramassé à Tontouta il y a quelques années. Et de la ferraille de récupération, et après un peu de ciment, de la résine. Enfin, c'est vraiment un assemblage de divers matériaux. Et puis bon, c'est un endroit qui est quand même assez fabuleux. Et je trouve que ça correspond bien à l'idée que je me fais de la place de ma sculpture sur un îlot. Je pense que c'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir les présenter dans cet environnement. Plus que dans une galerie, je dirais, dans le sens où... elle est dans un endroit naturel, un peu idyllique, donc ça transcende l'objet. Voilà, on va se diriger sur deux sculptures qui ont été réalisées par Baptiste et Anthony du foyer FAUO, foyer de réinsertion. Et on m'a demandé de superviser et puis d'activer la réalisation de ces deux œuvres. Voilà, ça c'est l'œuvre d'Anthony, qui est un métis canacolisien. Il a tenu à exprimer son métissage à travers des codes graphiques, celles de l'ancêtre et des motifs liés au motif tapa. Et donc, il a vraiment fait un assemblage de ces deux cultures. Et donc, ça, c'est vraiment une pièce intéressante et qui me parle. Bien sûr, c'est une chance pour ces jeunes d'avoir pu participer à ce festival, dans la mesure où au départ il était réservé aux professionnels. Et là, des novices et des jeunes qu'on peut accompagner jusqu'à un projet ont leur place et je veux dire, leurs œuvres ne départent pas du tout par rapport à ce qu'on a pu voir ailleurs. Donc il y a quand même une reconnaissance et je pense qu'ils vont bénéficier de ce coup de pouce. Voilà, un beau reportage d'Alexandre Sigura. Merci aux artistes, hein. Il y a de bons artistes. Hein. Merci de nous partager votre passion et à travers ces œuvres et puis le cadre. Oui, cadre. C'est vrai que de les mettre comme ça sur la plage, ça, je oui. trouve que ça les met vraiment en valeur. En plus, ça nous donne envie de nous d'aller nous promener, de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir là-bas. Tout simplement. Oui, un peu comme une invitation au voyage, aux vacances. Ben oui, voilà. Et tiens, en parlant d'invitation au voyage, je t'invite à venir avec moi du côté de Tahiti, hein, comme on est dans la semaine pacifique, découvrir donc une autre des autres passionnés, donc les danseuses, à travers ce petit reportage. Mmh.
superbe prestation, ça donne vraiment envie de partir en vacances. Tu disais que tu m'invites, c'est... Oui, attends, j'ai pas fini. On va d'abord aller du côté du Vanuatu pour aller donc découvrir ce qui se passe au Musée National. Wow. Là-bas, il y a une exposition, donc Cal Expo, que tu as dû déjà avoir quelques échos. Voilà. C'est né d'une organisation donc culturelle, coutumière et artistique hein, de Nouvelle-Calédonie et puis du Vanuatu. Donc voilà, c'est autour de la symbolique de la culture de l'igname dans le monde mélanésien. Donc ça retrace aussi le parcours de l'igname dans tout le Pacifique. Oui, ben on en a parlé avec Simane, c'était lundi. Donc il nous parlait un petit peu de la signification de Cal Expo, Cal pour Calédonie, Expo donc pour exposition. Oui, voilà, bah, c'est ça, c'est tout à fait ça, en fait. Le cas pour Kanaky aussi. Voilà, tu as tout retenu, c'est bien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop le sujet, en fait, le projet est né et a été donc mené depuis le départ par Ludovic Wanaisi, qui a fait donc ce travail de mettre en avant la culture mélanésienne avant tout. Hein. Donc, il a travaillé par rapport à ça, du fait de son passage dans les services des volontaires du Pacifique, où il a dû travailler donc, au musée dans les services des archives, tout ça. Donc, ça lui a donné l'idée de mettre en avant justement ce qui se passe dans les deux pays, qui ont d'ailleurs quelques similitudes au niveau de la culture déjà, et puis aussi la coutume. Donc voilà, est né Cal Expo. Cette exposition donc composée de différentes œuvres, hein. Ça peut être des totems de la sculpture, des artistes du Caillou et de ceux qui sont du Vanuatu aussi, plus spécialement de la province de Tafea. Tafea, ça regroupe en fait notamment Tana et Efate, là où il y a Port Vila. D'accord. Et chez nous, quand est-ce qu'elle aura lieu cette expo? Alors, on m'a dit, j'ai pu avoir quelques petites infos de Ludovic Wanaisi avant qu'il s'en aille pour l'exposition, justement, Vanuatu. Il nous disait que chez nous, ce serait visible en septembre. Voilà. D'accord. Donc, affaire à suivre. Alors, pour terminer, est-ce que tu as une autre expo à nous présenter aujourd'hui? Oui. Alors, pour terminer, je voulais juste rappeler qu'au musée de la ville de Nouméa, il y a toujours la possibilité de voir Nouméa 1900, qui retrace donc à travers des photographies d'époque l'histoire de la ville de Nouméa à l'occasion donc des 160 ans de la ville. Donc c'est des photos qui vont de 1890 à 1910. Donc cette expo est visible jusqu'au 16 juin 2015. Donc à voir ou à revoir, pourquoi pas. D'accord, merci beaucoup Davina, bon week-end. Oui, à toi aussi et au revoir tout le monde. Et nous on rejoint Mara, la science et nous, c'est tout de suite. Salut Mara. Salut Chloé, salut à tous. On l'a surnommé le naufragé du Pacifique. Son histoire a fait le tour de la planète il y a à peu près un an. Est-ce que tu te souviens de lui, toi, Chloé? Oui, c'est le gars qui avait dérivé, soi-disant, pendant plus d'une année en mer. Là. Exactement. Alors peut-être vous en rappelez-vous aussi, José Salvador Alvarenga, José, avait quitté les côtes mexicaines en fin d'année 2013 pour aller pêcher le requin, comme à son habitude, c'était son métier. Mais son bateau avait été pris dans une tempête et le pêcheur ainsi que son coéquipier avaient été portés disparus. Alors tout le monde les croyait morts, mais en janvier 2014, coup de théâtre, José Salvador Alvarenga réapparaît. Oui, c'était une histoire de fou ça. Hein. Alors où est-ce qu'il avait échoué déjà? C'était aux îles Marshall, je crois. Oui, alors c'était à Ebon, c'est un atoll donc, des îles Marshall, à 12 500 km de son point de départ. Donc il est réapparu en haillon, amaigri, barbu, vous l'avez vu tout à l'heure, avec les cheveux longs, les genoux éraflés. Et il a affirmé aux médias locaux avoir survécu en se nourrissant d'oiseaux, de poissons et en buvant du sang de tortue ainsi que sa propre urine. Délicieux. Alors il me semble qu'il y avait quand même des doutes sur son histoire, ça avait fait polémique. Oui, alors il y avait l'attitude déjà du rescapé, il paraissait mal à l'aise pendant les interviews, il y avait des incohérences dans son récit, en particulier sur la date de son départ, et puis son aspect physique à son arrivée, tout ça, il n'était pas si mal en point que ça, donc ça avait mis quand même des doutes sur la véracité de son histoire. Ouais. Il n'avait pas l'air d'avoir dérivé pendant plus d'un an. Quoi. C'est ça. Et sa forme physique paraissait étonnamment bonne à son arrivée sur l'atoll des îles Marshall. Il ne semblait pas avoir les lèvres gercées, la peau brûlée ou même présenter des signes d'une forte exposition aux éléments. Ouais, donc gros doute sur l'odyssée de José. De la part des spécialistes de la survie en mer, oui, dans un premier temps. Mais malgré tout ça, l'histoire serait vraie. Non. Si. Alors t'imagines survivre pendant 13 mois en pleine mer sans jamais voir la terre, rien à boire, rien à manger. Mais alors comment est-ce qu'on a pu savoir si c'était vrai? Bon alors, premièrement, le cabinet d'avocats qui s'occupait du cas. Avocat, carrément. Oui, parce que le truc c'est que ça prend des proportions de fric, forcément. Il y a des gens qui veulent racheter les droits pour le cinéma, tout ça. Donc bon, oui,
avocat. Donc, ils ont engagé un médecin pour, entre autres, lui faire passer le test du détecteur de mensonges. Parce que, bon, c'est sûr que à la sortie, si c'est vrai son histoire, à la sortie de son périple, si on le prend comme ça, c'est normal qu'il y ait des incohérences. Voilà. Ouais. Donc, bon, quelques temps après, on lui fait quand même passer le test du détecteur de mensonges. Donc, 82 questions avec l'appareil qui s'appelle un polygraphe. Et d'après le médecin, M. Alvarenga ne ment pas. Ce qu'il affirme est cohérent. Il est resté émotionnellement stable pendant toute la durée de l'entretien, ce qui prouverait eh bien, que son histoire est vraie. Mais ils n'ont pas pu tester des trucs plus scientifiques pour savoir si c'était vrai son histoire? Parce que bon, c'est vrai que survivre en mer dans des conditions pareilles pendant autant de temps, bah, ça paraît gros quand même. Hein. C'est sûr, je te l'accorde. Alors, l'expertise médicale a estimé que sa survie dans des conditions pareilles était possible, mais extrêmement rare. En gros, d'après un chirurgien spécialiste des conditions de survie, des situations de survie, pardon, que je vais citer, c'était, si c'était un chasseur expérimenté avec un moral d'acier et capable de trouver les vitamines dont il a besoin dans du poisson cru et qui est passé à travers suffisamment d'averses pour s'hydrater, alors son histoire pourrait être vrai. Mais un tel concours de circonstances demeure véritablement extraordinaire. Ben, je pense, plus d'un an en mer seul. Rien qu'avec le soleil, déjà, il aurait dû être complètement cramé ou alors devenir complètement fou avec la déshydratation, les insolations. C'est clair. Alors, lui dit que c'est grâce à la glacière en fait, qu'il avait à son bord qu'il a pu survivre. En fait, il a pu s'abriter du soleil et des intempéries grâce à cette glacière. D'accord, oui, mais son coéquipier, lui, il n'a pas tenu. C'est bizarre quand même, cette histoire. Oui, c'est bizarre, mais après ces affirmations, elles ont aussi été corroborées par une étude là, très très scientifique qui nous vient de l'université de Hawaï, à Manoa, qui a analysé les vents et les courants au cours de cette période dans la zone traversée. Et ça correspond à son trajet de dérive vers les îles Marshall? Oui, alors en fait, deux chercheurs ont développé un simulateur qui évalue la circulation des courants océaniques et qui leur a permis de reconstituer le trajet du naufragé. Et le résultat est sans appel, vous pouvez le voir, une partie de la simulation mène bien vers les îles Marshall. Ah, et bonne. Quelle histoire incroyable. Bon, après avoir vécu tout ça, il doit avoir quand même des sacrées séquelles. J'imagine que ça a dû bien l'abîmer quand même. C'est clair. Bon, alors déjà, des problèmes psychologiques, hein, forcément. Le pêcheur aujourd'hui, il a la phobie de la mer. Ouais, voilà. Ouais. Il ne peut pas s'en approcher. Il doit rester éloigné en permanence. Et puis aussi, bien entendu, des problèmes physiques et physiologiques après des conditions de vie pareilles pendant aussi longtemps. Forcément, son métabolisme a souffert. Mais j'avoue que ça m'arrange quand même que tu parles de problèmes de santé. Ça me permet de passer à la deuxième partie de ma chronique. Je voulais vous parler rapidement de quelques innovations santé qui pourraient changer la vie de certains patients. Ah bah très bien, alors de quoi ça s'agit? De quoi ça s'agit? Alors premièrement, une innovation qui concerne le suivi des maladies hépatiques. Alors en général, bon, il faut le dire, de façon stéréotypée, hein, les maladies du foie sont souvent associées à l'alcool et ou aux drogues. Mais la vérité est tout autre. Il existe plus de 100 formes de la maladie du foie qui sont causées par divers facteurs et qui peuvent toucher tout le monde, du nourrisson à l'adulte le plus âgé. Par contre, pour la majeure partie des cas, ce type de maladie demande un suivi très régulier et très lourd pour les patients. C'est une nette amélioration de leurs conditions de vie qui est proposée par ce nouveau type de suivi. On regarde. Il y a 3 ans, la vie d'Andrew Ryan et de sa famille a été définitivement bouleversée. Aujourd'hui, des scientifiques cherchent comment améliorer la qualité de vie de cet homme, mais aussi d'autres personnes atteintes de maladies hépatiques chroniques. Quand les médecins lui ont diagnostiqué une cirrhose, Andrew Ryan ne pensait pas qu'elle puisse être aussi foudroyante. Très vite, une transplantation du foie a représenté le seul espoir de survie pour cet ancien ouvrier d'une plateforme pétrolière. Quelques mois après l'opération, il doit à présent se soumettre à des contrôles quasi hebdomadaires dans un hôpital de Newcastle en Angleterre. Chaque matin, quand je me lève, je sens que mes jambes vont mieux. Je me sens vraiment mieux qu'il y a encore 2 semaines. Pour limiter les allers-retours à l'hôpital, des chercheurs participant à un vaste projet d'études européens sont en train de développer une plateforme numérique permettant aux malades de savoir quand l'état de leur foie se dégrade au point de nécessiter une hospitalisation spécifique. Le principal avantage pour les patients, c'est une amélioration de leurs soins cliniques, car ils connaissent moins d'épisodes de détérioration de leur état, grâce à cette surveillance étroite qui les détecte au plus tôt. Si on y arrive, leur qualité de vie devrait aussi être améliorée parce qu'ils finiront moins à l'hôpital. «
Voyons à présent où cette plateforme de surveillance hépatique est développée et testée. C'est notamment dans un laboratoire comme celui-ci à Neuchâtel, en Suisse, que sont conçus les appareils s'intégrant au dispositif. Ils permettent par exemple de procéder à des analyses biologiques. Ça analyse un certain nombre de paramètres sanguins, notamment le temps de coagulation du sang et certains paramètres comme la quantité d'albumine, de sodium, potassium, créatinine, bilirubine et un trop haut taux ou trop bas taux de ces éléments dans le sang peuvent être un symptôme d'un dysfonctionnement du foie. Les patients peuvent aussi contrôler de manière autonome des paramètres physiologiques comme le rythme cardiaque, la température de la peau ou la tension artérielle. Reste qu'il est difficile de surveiller cette dernière variable en continu. Des expériences réalisées sur des volontaires ont été nécessaires. On ne peut pas utiliser les brassards ordinaires. On ne peut pas se déplacer avec. On utilise plusieurs signaux haute résolution que l'on combine pour détecter les changements dans la tension. Les scientifiques espèrent qu'à l'issue des derniers tests et réglages, leurs appareils de surveillance médicale seront bientôt disponibles sur le marché. Ces appareils portatifs seront très bientôt disponibles pour être utilisés dans le cadre d'une surveillance classique et continue de certains paramètres physiologiques. Pour les mesures sanguines biochimiques, il faut encore attendre 3 à 5 ans avant une mise sur le marché. Quant au test des troubles cognitifs, il sera disponible d'ici un an. Il permettra aux patients d'évaluer le degré de leurs troubles. Tout ce qui m'importe, c'est de passer du temps avec ma femme, ma famille. J'ai des petits-enfants maintenant. Je ne veux pas aller sur la Lune, vous savez. Je veux juste essayer de vivre ma vie. Pouvoir vivre sa vie et profiter de sa famille, ben, ça paraît évident en effet, hein, ça paraît même normal, mais c'est souvent impossible avec la maladie. Donc tant mieux hein, si ce type de suivi donne un petit peu de répit aux malades. Bah oui, ils ont déjà la maladie à gérer, donc Si on peut en faciliter un peu le suivi, ça allégerait déjà le quotidien de beaucoup de familles, je pense. Pour la suite, les dernières avancées en matière de diabète, les chercheurs recréent des cellules bêta humaines, celles qui produisent l'insuline, pour comprendre comment elles sont détruites ou fonctionnent mal chez les patients atteints de diabète de type 1. Pour le diabète de type 2, une bactérie pourrait bien nous venir en aide. On regarde. Ces jeunes matelots ne sont pas seulement ici pour apprendre à barrer un voilier. Ils sont réunis pour apprendre à mieux gérer leur diabète sous la houlette de leur skipper, Philippe Pirard, qui est infirmier de formation. Quand on est diabétique, on doit se faire des glycémies. Les glycémies, c'est le calcul du taux de sucre qu'on a dans le sang. Nos médecins nous disent qu'il faut le faire 4 fois par jour, donc on se pique le doigt, comme ceci. On fait apparaître une petite goutte de sang. On met donc la petite goutte de sang sur le testeur. Et en 5 secondes, on a un résultat. Le pancréas contrôle le sucre dans le sang, c'est ce que les scientifiques appellent la glycémie. Il régule aussi en permanence la sécrétion de l'hormone d'insuline. Mais cet équilibre peut s'avérer précaire lorsque les cellules bêta cessent de fonctionner normalement, en résultent alors les diabètes de type 1 ou 2. On a le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immunitaire où le système immunitaire attaque la cellule bêta et ces cellules meurent. Et le patient finit par avoir plus de cellules bêta et plus de production d'insuline du tout. Dans le diabète de type 2, ces cellules bêta restent présentes dans le pancréas, mais elles sont dysfonctionnelles, donc elles sont là, mais elles ne produisent pas suffisamment d'insuline. Depuis plus de 30 ans, les chercheurs du monde entier tentent d'étudier ces cellules fautives en laboratoire pour comprendre leur dysfonctionnement. Les équipes du professeur Scharfmann de l'INSERM à Paris ont fait récemment de grandes avancées. On a créé, et c'est ce qu'on voit sur l'écran, des cellules bêta humaines. Et ces cellules produisent et contiennent de l'insuline qui est représentée par la couleur rouge.
Le plus compliqué pour les chercheurs était de recréer ces cellules humaines. On avait montré qu'on pouvait, à partir d'un petit morceau de pancréas humain prénatal, que l'on greffait à des souris, obtenir les cellules qui nous intéressent, les cellules bêta, mais en quantité insuffisante. On a ajouté aux cellules un gène qu'on appelle un gène immortalisant, qui a alors permis d'amplifier dans la souris les cellules bêta humaines qui se développaient, puis de les récupérer de la souris, les mettre dans des boîtes de culture. Et maintenant, ces cellules vont être extrêmement utiles, à la fois pour comprendre comment les cellules bêta pancréatiques sont détruites ou fonctionnent mal chez les patients diabétiques, et peut-être un jour pour découvrir des nouveaux médicaments dans différents types de diabète. Le diabète de type 2, avec un taux de 85%, est le plus répandu. Ce diabète est principalement lié au surpoids. Avec les modes de vie actuels, les autorités craignent une augmentation du nombre de malades. Toutefois, Patrice Cagny, de l'Université catholique de Louvain, a l'espoir qu'une bactérie, appelée Akkermansia mucinifila, puisse venir en aide aux diabétiques. On a découvert cette bactérie de manière tout à fait fortuite. Il faut savoir qu'on vit avec 100 000 milliards de bactéries dans notre intestin et on sait déjà depuis très longtemps que ces bactéries nous aident, par exemple, à digérer les aliments. Ici, dans ce cas précis, on a pu démontrer que Akkermansia arrivait à dialoguer véritablement avec nos propres cellules humaines et modifie en quelque sorte l'utilisation du sucre par notre organisme et donc améliore le diabète de type 2. Alors actuellement, on est en train d'étudier la possibilité d'administrer cette bactérie chez des patients obèses et diabétiques de type 2 et on espère d'ici quelques années avoir la réponse, à savoir est-ce qu'on pourra donner cette bactérie en complément d'un traitement diabétique de type 2, oui ou non. Le diabète est une maladie qui demande beaucoup de discipline, tout comme la voile. Voilà ce qu'apprennent ces jeunes matelots pendant ce stage. Et oui, c'est vrai que c'est une maladie qui demande beaucoup de rigueur. Oui, en plus, c'est une maladie répandue ici en Calédonie, hein. Surtout le diabète de type 2, qui est donc lié au surpoids, puisqu'on a beaucoup de personnes en situation d'obésité ici. Oui. Alors, pour les personnes qui découvrent la maladie, c'est tout un apprentissage pour pouvoir se gérer seul, j'imagine. Oui, alors il faut apprendre déjà ce que c'est que la glycémie, pardon, donc le taux de sucre qu'on a dans le sang, à combien on doit le maintenir, combien d'insuline on doit s'injecter, ce qu'on peut manger ou pas, enfin, en gros, comment on doit vivre avec cette maladie. Mais vous y reviendrez plus en détail dans quelques temps avec Anna sur les habitudes à avoir pour gérer cette maladie. Bon, très bien. À venir donc. Merci Mara pour ces infos. Merci à toi et merci à tous. Je vous souhaite un bon week-end. C'est la fin de cette émission qui clôture donc notre semaine spéciale Pacifique. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle spéciale, la dernière de ce début d'année, une spéciale communauté antillaise. Merci à tous de nous avoir suivis et un très bon week-end.